Je m'appelle Léa Roublet, je suis votre Miss Bouches-du-Rhône 2024 et je me présenterai le 30 juillet à Miss Provence pour pouvoir espérer être qualifiée pour Miss France. Donc j'ai été diplômée récemment infirmière, diplômée d'État du coup. J'ai commencé à prendre mes fonctions donc à l'Institut Paoli Calmette, qui est un institut spécialisé en cancérologie, donc j'ai commencé hier. Ça se passe très bien pour moi. Hormis mon parcours professionnel, je suis très reconnaissante et très heureuse d'être dans l'association Le Raid de l'Étang de Berre. Et je vous retrouve très bientôt, le samedi prochain, pour donner le top départ de la course à pied qui aura lieu à Martigues pour la finalisation du projet Olympe 2024. Le projet s'appelle Olympe 2024, qui s'inscrit dans le cadre des JO. On va y avoir les JO en France cette année. Et donc nous, on a voulu faire nos propres Olympiades pour faire la promotion de l'Étang de Berre, mais d'une manière très originale, en valorisant les clubs sportifs du pourtour de l'étang. Et donc du coup, on a monté 5 gros événements qui symbolisent les 5 anneaux du drapeau olympique. On a commencé au mois de mars à Saint-Chamas avec un concours de pétanque départemental. On avait le champion d'Europe de pétanque qui a gagné 3 fois le mondial de la Marseillaise. Ensuite, on est allé faire une course de vélo. On est allé faire une course de vélo à Istres, et là on avait la championne du monde de VTT, Isor Médé. Ensuite on a fait un match de foot à Fos au mois de mai. En juin on était à Châteauneuf où on a organisé une régate sur l'étang. Et au mois de juillet, là, samedi, on sera à Martigues sur la Venise Provençale pour une course pédestre, la ronde des Pommes Bleues. Et donc voilà, l'idée c'est de promouvoir l'étang de Berre en valorisant les clubs sportifs et les sportifs de notre territoire, parce qu'on a des pépites autour de l'étang, on a des gens incroyables qui font briller le territoire, et du coup, ben voilà, on veut valoriser ce tissu associatif, mais pas que, hein, on veut valoriser aussi les hommes et les femmes qui s'engagent pour la réhabilitation de l'étang, comme Léa, qui est notre marraine, mais qui est Miss Bouches-du-Rhône, et le 30 juillet, elle va concourir pour être Miss Provence, et si elle gagne, et on n'utilisera pas le conditionnel, elle va gagner. Donc du coup, elle participera à l'élection de Miss France, et du coup, encore plus, on valorisera le territoire. Donc samedi, on est à Martigues pour la ronde des Pommes Bleues, mais c'est une histoire d'amour entre tous les gens qui vivent autour de l'étang, parce qu'on a créé un réseau. Un réseau incroyable, puisque lors de cette course, le président qui organise cette course, c'est un ami de très longue date, ça a été mon prof au collège. Et puis on aura sur le podium des stars, puisqu'on aura Miss Bouches-du-Rhône qui va donner le départ de cette course. Et elle sera sur le podium avec Amel Amiri, que tout le monde connaît aussi, puisque c'est lui qui anime toutes les courses pédestres de la région. Et donc il est très connu aussi, peut-être plus connu que les coureurs. Et sur le podium, on aura aussi une autre pépite, on en a parlé tout à l'heure, qui courra pour les couleurs d'Aix-en-Provence, mais il portera aussi les couleurs de notre association, le Raid de l'Étang de Berre, Croix de la Prêche, on l'espère. Il a de fortes chances de gagner, même si ça reste compliqué. Mais... Ça va être très compliqué, voilà. Parce qu'il y a des Croix de la Prêche, il y a Saïd Cadour qui a gagné l'année dernière, c'est un super coureur. C'est un Marocain qui est licencié à l'S7 Athlétisme. Ouais. Il va y avoir une belle bagarre. Il y a des gars qui viennent aussi de toute la France parce que cette course, elle est cotée. Elle est en bord de mer. Le soir de juillet, c'est une petite corrida. Donc il y a des coureurs qui viennent pour se faire plaisir. Donc chez les filles et chez les garçons, il va y avoir vraiment les lits. Ça va aller très vite. Alors la particularité de cette course aussi, c'est qu'elle va se faire 6 km en ville. Donc on pourra aussi valoriser le tissu local, quoi. Parce que c'est magnifique, hein. On va traverser tous les ponts de Martigues, et on est sur les bords de l'étang de Berre, parce que c'est côté ferrière que ça se déroule. Voilà, et puis... Bonjour, Thibaut Raoult, j'ai 25 ans, donc je suis artisan à Sénas. Donc je suis dans la vie plombier, électricien, chauffagiste, donc je suis futur adhérent de l'association, donc mon père étant pêcheur, m'a transmis ce petit côté sensible sur le fait de protéger l'étang de Berre. Donc voilà. Donc... Aujourd'hui,
aujourd'hui on est à Salon de Provence. On est à Salon de Provence parce que on veut agrandir cette chaîne de solidarité pour sauver les temps de verre. C'est ça le fond du problème, c'est celui-là, même si on va se réunir tous autour d'une course, qui sera une course très conviviale parce qu'on va être entouré d'amis. Mais le fond du problème, c'est de sauver les temps de verre. Ça fait plus de 30 ans qu'on court derrière cette réhabilitation de l'étang, en vain, parce que la réhabilitation de l'étang de verre, c'est la réserve. Mais nous, on y croit. Nous, on y croit, et on croit même plus que certains, puisque nous, on pense que les gens qui vont sauver l'étang de verre, c'est les forces vives de ce territoire, c'est-à-dire notre MIS, nos chefs d'entreprise, nos sportifs et ceux qui collaborent aussi autour de cette magnifique cause et la réhabilitation de l'étang de verre. Voilà. Là, cette année 2024, c'est à travers le sport. Voilà. Donc il va y avoir les JO, on va faire peut-être il va y avoir un focus sur les sportifs de haut niveau qui vont participer à ces fameux JO. Mais moi, je vais vous donner un exemple. Il y a une jeune fille de 11 ans qui s'appelle Sophia, qui habite à Berlétang, qui vient de partir en Caroline du Sud pour faire les championnats du monde de BMX. Et donc, du coup, c'est une formidable ambassadrice pour Berlétang, mais aussi pour tout le territoire. Donc, on a des gens très engagés. On a Isor Médé, qui est champion du monde de VTT, qui habite à Istres. Voilà, on a des gens talentueux autour de ce territoire qu'on ne valorise pas suffisamment. Et puis voilà, on a la reine de la beauté aujourd'hui des Boucherons qui va devenir très certainement Miss Provence le 30 juillet. Et puis voilà, au mois de décembre, hein, voilà, non pas peut-être, c'est sûr. Voilà, au mois de décembre, elle sera parmi les plus belles femmes du pays pour concourir pour l'élection de Miss France. Voilà. Je vous présente un peu tout le monde. Donc ouais. Albert Carboni, qui est le gérant de la société. Voilà, de la société. C'est, c'est pas que le monde de la Zéné, c'est une société qui travaille sur toute la région PACA. En fait. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Une ouais, ici c'est le siège, okay. Le siège, mais l'activité, il y a la revente, mais l'activité principale c'est la prestation de services. Okay. Et on traite de très gros marchés, notamment la zone de plan de campagne, c'est depuis la fin de l'année. Voilà. Entre autres. Voilà. Avec Thibaut. Donc moi, Thibaut Raoult, artisan de Sénas, premier électricien chauffagiste. Donc voilà, futur adhérent de l'association. Voilà, Kamel. On ne me présente plus, hein, parce que... Les amis, samedi, je serai du côté de Martigues pour animer la ronde des Ponts Bleus, 10 km Petroinos, avec nos amis du Martigues Sport Athlé, avec Francis Kelelia et l'association qui soutient, qui défend les temps de verre, sera là en partenariat. Et ça va être un bon moment, pourquoi ? Parce que le compteur, il a explosé. Hein. L'année dernière, on était 650 à prendre le départ cette année, pour les deux boucles qui amèneront les coureurs dans le centre-ville, avec une ambiance de folie, il va être 1000. Ça y est, le compteur il a explosé, ça va être un grand moment public qui sera sur tous les ponts bleus pour les encourager. Et dès 21h15, dès que le coup de pistolet sera donné, la bagarre chez les filles et les garçons, elle va avoir lieu parce qu'il y a du lourd. Et c'est ce samedi du côté de Martigues avec la ronde des ponts bleus, 5e édition. Alors, je voudrais peut-être ajouter le truc, si c'est possible. Vas-y. Alors c'est un point qui est très important, il faut savoir que les temps de verre, je me permets Philippe, on a la pleine mer, on a après le canal de Caronte, donc c'est la mer quand il y a la marée qui rentre, qui va jusque dans l'étang. Et il faut savoir que tous les poissons de bar, tout ça, ils rentrent pour frayer. Et c'est très important pour la diversité et pour tout l'écosystème. Malheureusement, avec cette eau douce, l'été quand il fait très chaud, qu'il n'y a pas de vent, il y a tout qui meurt. Donc toutes ces dorades, ces bars, tous ces poissons qui rentrent pour frayer, il y a pratiquement plus beaucoup de poissons qui ressortent, qui reprennent la mer. Donc ça, c'est un point aussi qu'il faut mettre en avant parce que voilà, c'est important aussi de le savoir. Outre le fait qu'il faut les temps de mer, tout ce que représente les temps de mer, bien entendu. Mais il y a aussi ce côté diversité de toutes les espèces, de panneaux, de tout, de crabes. De tout. Et ça meurt quand voilà, parce qu'il y a trop de rejets d'eau douce et voilà. Okay. C'est important de le rajouter aussi. Alors c'est d'autant plus important, il va y avoir les JO en France,
Et l'étang de Berre va servir de terrain d'entraînement pour les nations qui vont pratiquer les activités nautiques sur la baie de Marseille. Donc voilà, nous on essaye aussi à travers les JO et de passer à travers les mailles pour essayer de valoriser un peu ce patrimoine naturel qui est en train de mourir, quoi, parce que si on ne fait rien, il va mourir sous les yeux de tout le monde. Et parce que voilà, c'est vrai que les maires, ils ont aménagé le pourtour de l'étang, on a de super belles plages, mais ce qui se passe sous l'eau, on n'y voit rien, quoi. Et donc, du coup, comme la réouverture du canal du Rove, elle ne se fera pas demain, parce que ça fait 40 ans qu'on y court derrière, voilà, on n'y croit plus, quoi. Donc, du coup, nous, on essaye de monter ce genre de projet. C'est assez ludique, puisque aussi on intervient dans les écoles, les collèges et les lycées pour sensibiliser les jeunes, parce que elle est là la solution. Voilà, c'est de donner les clés aux jeunes générations pour que demain ils viennent aux responsabilités et qu'ils prennent en charge la destinée de l'étang de mer. Voilà, ça c'est important. En fait, ils traitent la forme, les élus, comme disait Philippe, ils aménagent la berge, le quai, tout ça, ils ne traitent pas de forme. La forme n'est pas de forme. Donc tout est aménagé en partie à l'extérieur, mais en fait au fond il n'y a plus qu'une heure. Donc le but c'est de leur faire prendre conscience. Quand on a créé l'association, l'objectif principal c'est d'alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de réhabiliter, mais en même temps c'est de sensibiliser les citoyens qui vivent autour de l'étang de mer pour qu'ils s'emparent de ce dossier et qu'ils deviennent les vrais acteurs.